Donc après la pluie, le beau temps. Tant mieux, ça fait plaisir. Donc on revient au nettoyage. On avait nettoyé ce côté, pas parfaitement, mais bon, en tout cas on avait enlevé une pelle entière. Oui, tout ça c'était que dans un coin, hein. C'était que de ce côté. Maintenant on va passer à celui-là, comme je vous disais, que la pluie s'est terminée, on doit enlever tout ce qu'il y a là-dedans. C'est parti, on va remettre les gants. Donc acte 2, les gants sont mis, on va vider la première pelletée qui se trouvait à gauche. Maintenant on va s'occuper de celle-ci à droite. Et je vais vous montrer ici aussi comment c'est impressionnant. Là c'est impressionnant ce qu'il y a. Éviter de le remettre à l'intérieur. Je mets tout là et je vous montrerai la quantité finale. Bah, 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 bah. Oh là là là, ça c'est catastrophique ça. Vous voyez, ça fait comme de la boue. Tout au fond, en fait, la pelle est pleine déjà. Je sais qu'il y a des gaines, hein, il y a le faisceau électrique du lave-glace en fait. Allez. La pelle est pleine, hein. La pelle est pleine, mais on continue. On continue, les amis. Donc la baie de pare-brise à nettoyer urgent, hein. Laissez surtout pas ça comme ça. Et surprise. Ah oui, il y a une fiche, pêcheur. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah non, c'est pas une fiche ça. Non, c'est le câble. C'est le câble pour la glace. C'est le câble pour l'ouverture du coffre. Bon, malheureusement, c'est tout mouillé, il a plu. J'aurais aimé que ce soit sec pour aspirer. Il y a des céréales. Que ça filme, oui, ça filme. 3 minutes, regardez-moi ça. Deuxième pelletée, bien rempli aussi. Je vais récupérer un petit tournevis pour enlever ce qui reste dans les angles. Et on est bon. Une fois qu'on a enlevé le plus gros, on va passer la soufflette.
Voilà le résultat. On peut pas avoir mieux. Dommage. En tout cas, les évacuations d'eau de pluie sont débouchées. On n'a plus les tas de feuilles qu'on avait tout à l'heure. Ici aussi, au niveau du coffre, du capot, des charnières de capot, les charnières de capot, bien nettoyées là aussi, laisser libre le trou ici. Il y en a un au milieu aussi, et celui-là. Voilà les amis, pour les baies de pare-brise, en général sur toutes les voitures, ça se bouche, donc n'hésitez pas à les nettoyer. Quand vous nettoyez votre voiture, allez-y avec le cœur, sinon c'est pas la peine. D'évacuation propre. Allez. Et voilà. Les deux pare-brise nettoyés, on peut y remettre son joint. Et on mettra par la même occasion les essuie-glaces. Larsen, la perfection masculine. Voilà les amis, on aime la propreté, on aime son véhicule, on aime que tout soit propre. Votre véhicule, c'est vos jambes, alors prenez-en soin. Voilà les amis, je vais remettre les essuie-glaces. Et fin de la vidéo pour la baie de pare-brise. Allez, à bientôt.